silo etonda nzambe nayo tonda nzambe tonda nzambe nayo tonda o silo etonda nzambe nayo tonda nzambe tonda nzambe nayo tonda nzambe. La repentance, d'abord, c'est quoi? Je vous dis merci pour la parole, Papa Guy. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre chaîne de télévision, que Dieu bénisse notre président, que Dieu bénisse le gouvernement et tous les hommes politiques, qu'il bénisse aussi la population congolaise ou les Congolais, les Congolaises et tous ceux qui sont dans notre pays. Que vous soyez étranger ou pas, vous habitez le Congo, soyez bénis. Soyez bénis de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons des fléaux qui est maintenant dans notre pays, non seulement dans notre pays, c'est un fléau qui sillonne le monde. Nous entendons parler à gauche, à droite, nous voyons les dégâts que ces fléaux nous amènent. Moi, en tant que pasteur, je m'adresse au monde entier, au peuple de Dieu, aux serviteurs et aux servantes du Seigneur. Il n'y a pas de plus petit pasteur ni de grand pasteur. Nous sommes tous des serviteurs de l'Éternel. Les messages que je peux vous apporter, d'abord, au sujet de ce coronavirus, qu'on n'arrive même pas à traiter, qui n'a pas de médicaments, on est en train de tirer les cheveux pour savoir quoi faire, dans le stress, dans la peur de la mort. Mais j'ai un message, peuple de Dieu, que vous soyez chrétien ou pas, vous êtes fait à l'image de Dieu. Revenons à Dieu. Dans la repentance, dans la disposition du cœur, et nous verrons ces fléaux disparaître de nos yeux. Nous verrons ces fléaux disparaître de nos yeux. Ce que Dieu nous demande, c'est de rentrer dans sa maison. À partir des pasteurs, à partir des serviteurs et servantes de Dieu, rentrons à nous-mêmes. Voyons ce que nous faisons. Ayons confiance en notre Dieu. Dieu nous demande de nous repentir. Peut-être tu me vois femme parler, tu dis non, les femmes ne doivent pas parler. Je vous signale que Dieu peut utiliser même des pierres pour parler de sa part. Écoute seulement ce que je dis. Si ça te concerne, repens-toi. Allons dans la même direction. Nous vaincrons le coronavirus. C'est vrai, le coronavirus, c'est un virus meurtrier. Et le corps médical sait très bien que le virus n'a pas de traitement. S'il entre dans quelqu'un, il le détruit. S'il ne détruit pas la personne, il se détruit lui-même. Si la personne a des anticorps dans son corps. Je vous demande seulement d'observer les mesures d'hygiène que notre président nous recommande. Mais à côté des mesures d'hygiène, à côté des directives, des dispositions prises, nous devons ajouter Dieu. Dieu dans tout ce que nous faisons. Christ nous dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Il s'est déclaré Dieu d'amour. Celui qui n'a pas d'amour ne peut pas se dire chrétien, ne peut pas se dire enfant de Dieu. Tout tourne autour de l'amour. C'est vrai, mes bien-aimés,
Quand on parle de la repentance, veut dire que tu reconnais que tu faisais mal. Tu reconnais que ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Joseph, quand la femme de Pharaon, de Potiphar a voulu le prendre, Joseph a dit ceci: comment ferais-je un très grand péché en péchant contre Dieu? C'est-à-dire tout ce que nous faisons vis-à-vis de nos prochains, de notre prochain, nous le faisons à Dieu lui-même. Le message que je vous adresse, c'est de rentrons en nous-mêmes. Reconnaissons ce que nous avons fait. Ce qui a ouvert des portes au virus, c'est vrai. Il est notre secours, il est notre berger. Mais il est berger avec qui? Avec celui qui lui obéit. Quelque part, nous sommes tombés. Dieu montre clairement qu'il y a trop de sang. Trop de sang qui a coulé au Congo. Et ce sang-là, c'est le sang innocent. Ce sang innocent-là, c'est versé par une autre personne. Toi, si tu sais que tu avais versé le sang contre ton frère pour gagner de l'argent, soit avec les poisons, soit avec une arme, soit avec ta force physique, Dieu te demande de rentrer en toi-même comme l'enfant prodigue qui est rentré en lui-même. Il s'est rendu compte qu'il était parti dans la destruction totale. Il a reconnu son mal. Il a pris la décision, il a dit: je me lèverai, j'irai vers mon père. Et quand il est arrivé auprès de son père d'amour a couru vers lui, il l'a embrassé, il l'a amené dans sa maison. Rentrons dans la maison de notre père. On ne vous condamne pas. Nous voulons seulement reconnaître ce que nous avons fait, abandonner, prendre la décision comme cet enfant prodigue et rentrer dans la maison du père. Aujourd'hui, tu peux tuer quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux dire du mal de quelqu'un. Aujourd'hui, tu peux haïr quelqu'un. Mais un jour, tu vas te retrouver seul devant celui qui t'a envoyé sur la terre avec une mission précise. Repentons-nous. Personne n'ira devant l'Éternel avec les richesses. La nature doit nous enseigner. La nature elle-même doit nous enseigner. Vois d'abord ceux qui sont morts, ceux qui ont amassé des richesses énormes. Est-ce qu'ils sont partis avec cette richesse? On les a enterrés dans le bois. Un petit carré, là, un petit rectangle de rien du tout. Et lui n'avait plus de souvenirs. Je vous invite à rentrer dans la maison de notre père. Et quand le père a accueilli cet enfant, il était dans la joie. Il a dit: mon fils était mort, il est maintenant revenu à la vie. Il était perdu, je l'ai retrouvé. Son fils aîné qui était dans le champ est revenu. Il a entendu la musique de la réjouissance. Le fils aîné qui était dans la maison du père n'a pas accepté celui qui était sorti de la maison et qui est rentré. Toi, chrétien, accepte ton frère. S'il fait du mal, donne-lui les conseils, prie pour lui. Il ne faut pas utiliser l'évangile de la méchanceté. Parce que cet homme qu'on appelle le fils aîné avait la méchanceté, avait la jalousie. Son père l'a supplié d'entrer dans la maison. Il n'a pas voulu. Il a appelé son petit frère. Ton fils est parti avec les biens, il a fait ça, il a fait ça. Il rentre, tu fêtes pour lui.
Mais moi qui suis avec toi, qu'est-ce que tu me fais? Tu ne m'as rien fait. Même un petit voilà. Tu pouvais bien me donner ça. Je pouvais me réjouir avec mes amis. Voilà l'attitude des hommes de ce monde. Voilà l'attitude de l'Église aujourd'hui. Voilà l'attitude. On croit être avec Dieu, mais on haït son prochain. On hait son prochain. On hait même son frère. Dieu t'appelle à la repentance. Ses fils aînés étaient catégoriques. Il n'a plus voulu entrer et il n'est pas entré. Le père est rentré dans la maison triste. Le père est entré dans la maison triste. Toi, tu es pasteur. Toi, tu es serviteur et servante de Dieu. Je m'adresse à toi. Quel est l'évangile que tu apportes? Dieu nous amène, nous appelle à aller donner l'évangile de la paix, l'évangile d'amour. Et toi, qu'est-ce que tu apprends à tes adeptes? Qu'est-ce que tu apprends à ceux aux brebis que Dieu t'envoie? Tu apprends l'évangile de la méchanceté. Vous sortez de la ligne de conduite de Jésus-Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Rentre sur le chemin. Ramène tous ceux que toi tu as fait sortir du chemin dans la méchanceté. Personne ne peut prier pour le méchant. Personne ne peut prier pour celui qui lui fait du mal. Et tu l'as amené à la destruction. L'évangile de destruction. Envoie-le le feu. Coupe-le avec l'épée de la parole. Qu'il meure. Les autres envoient. Si ça attrape celui-ci, c'est son problème. Dieu dit ceci. Il n'aime pas la mort du méchant. Il veut que les méchants changent de vie et qu'ils vivent, changent son comportement. Mon frère, ma soeur, quelle est ta relation avec Dieu? Cet homme était très jaloux de son petit frère. Cet homme était content de voir son frère périr. Comme son frère n'était plus à la maison, c'est lui qui régnait. Il avait toutes les possibilités d'agir. Il voyait que tout l'héritage lui revenait. Non, Dieu ne nous enseigne pas ça. Dieu nous enseigne la compassion et l'amour de l'âme malade. Nous sommes tous des âmes malades. Quelque part, nous avons vécu dans notre enfance, d'une manière ou d'une autre. Dans la destruction, nous avons vu nos parents en train de se bagarrer devant nous. Nous avons vu nos parents avec des concubines devant nous. Nous avons vu nos parents en train de faire des fétiches devant nous. Nous avons vu nos parents en train de faire de la magie devant nous. C'est ça l'école dans laquelle nous avons grandi. Venons à celui qui peut nous faire grandir dans l'amour, dans la joie, dans la paix. C'est vrai, mon bien-aimé, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu est dans la rue. L'Église de Dieu est dans la rue. L'Église des jugements, l'Église des vengeances. Il a voulu te tuer. Le sorcier a voulu te tuer. Toi aussi, il faut demander que Dieu les tue. Je te prie de te repentir. Cet évangile-là, ce n'est pas l'évangile de Dieu. Jésus dit ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sont des braises que toi, tu es en train de le mettre sur les épaules. Ne rendez pas le mal pour le mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Voilà la loi de Dieu. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de la destruction. Église du Congo, pasteur, prophète,
tous ceux qui ont la parole facile, je peux dire une diction facile. Une diction facile. Tu as la facilité de transmettre, mais transmets la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Rien qui existe ici n'a pas été créé sans parole. Ce qui fait que Dieu a soufflé dans la narine de l'homme. Il lui a transmis sa divinité. Il lui a transmis son esprit. Ce qui fait que ce que tu fais sortir, ça a une force. La parole, dans la parole, il y a un esprit qui est attaché à cette parole. Si c'est une parole d'amour, tu transmets la bénédiction à ton frère et ta soeur. Mais si c'est une parole de malédiction, tu transmets la mort. Et ça va agir ainsi. Moi, je vous prie, mes bien-aimés, rentrons en nous-mêmes. Revoyons comment nous vivons. Vous commencez à prédire même les miracles dans l'église. L'Esprit du Seigneur n'a pas de conseiller. N'aidons pas Dieu. Dieu reste seul dans tout ce qu'il fait. Il reste souverain, souverain. Viens, il y a des miracles ici. Viens, tu auras l'argent. Mais parle seulement, viens, reçois Jésus-Christ, marche avec Jésus-Christ, soigne tes relations avec Christ. Et voilà ce que Christ dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le même Dieu dit ceci, j'ordonnerai aux bénédictions de vous suivre. Je ne viens pas chercher les combats ici. C'est la parole qui sort. Accepte la parole ou demande à l'Esprit de Dieu. Parce que le jour de la Pentecôte, il y avait au moins 120 personnes dans la chambre haute. Et parmi ces 120 personnes-là, il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait aussi d'autres Marie. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit n'a pas choisi les hommes, il a laissé les femmes. Le Saint-Esprit est descendu sur chaque homme et chaque femme, tous ceux qui étaient dans la chambre haute. C'est-à-dire que la femme aussi peut avoir le Saint-Esprit. Je te demande seulement de rentrer en toi-même. N'aide pas Dieu dans les miracles. N'aide pas Dieu dans tes projets de devenir un grand pasteur, un grand théologien, un grand ceci. Recherchons premièrement le royaume de Dieu. Et le reste, nous serons donnés par surcroît, par-dessus. Dieu te connaît personnellement. Ce qu'il a mis en toi, ce n'est pas la séduction d'attirer les âmes à toi. Mais il t'a donné quelque chose peut-être que tu ignores jusqu'à aujourd'hui. Tu préfères utiliser tes sentiments pour satisfaire tes besoins. Je te demande seulement d'écouter, d'entendre la parole aujourd'hui. La parole de Dieu veut que toi et moi, nous nous convertissons, que nous changeons de vie. La repentance, après la repentance, c'est la vie de chaque jour de tout chrétien. Tout chrétien baptisé doit vivre les trois étapes. La repentance, la confession et la conversion. Les trois-là ne peuvent pas manquer dans la vie de tout chrétien. Que tu sois pasteur, tu es quand même un chrétien. Que tu sois quelqu'un qui n'a pas de nom, tu es un chrétien. Mais vois, est-ce que tu vis la repentance? Au moins la conscience qui parle. Si ta conscience ne parle plus, c'est que tu as tout détruit. Reviens seulement à notre Dieu. Il va te parler, il va te montrer le chemin à suivre. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Mets-toi sur le chemin de Jésus-Christ dans l'amour. Et si tu es sur le chemin de Jésus-Christ, tu vas marcher dans la vérité. Toi qui te prostitues à la longueur des jours, reviens en toi-même. Dieu te connaît personnellement. Dieu est capable de te faire du bien. Change seulement de vie. Abandonne la prostitution. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'adultère. Abandonne la magie. Abandonne les fétiches. Abandonne la haine. Abandonne les poisons. Sache bien qu'un jour, tu vas répondre pour le sang que tu as touché à cause des poissons, des poisons, les sangs innocents. Je te prie, mon frère, ma soeur, la Bible est à la portée de tous, mais le Saint-Esprit est unique. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, c'est Satan qui te contrôle. Si tu es dans une église où on ne fait que détruire ceux qui sont dans les péchés parce qu'ils nous attaquent, ils nous font ça. Sachez bien que vous portez les armes de votre Père qui est le diable. Chez notre Père, Dieu Tout-Puissant, qui a envoyé Jésus-Christ prendre le corps de l'homme, se faire semblable à nous, il a porté tous nos fardeaux. Il a été tapé à mort. Il a été couronné d'épines. Et ces épines-là étaient enfoncées dans sa chair, sur sa tête. Il est arrivé jusqu'à Golgotha. Et à Golgotha, on l'a cloué, mon frère, ma soeur, à cause des péchés de tout ce que tu condamnes là. Je te prie de ne pas aider Dieu. L'œuvre de la croix était parfaite et totale. Tout le monde a trouvé la vie à partir de la croix. Christ est descendu plus bas. Les forces dans ses mains attiraient les malédictions d'horizon. La tête couronnée, toutes les malédictions qui sont suspendues dans les airs ont été anéanties. Nous te demandons seulement de revenir à lui. L'œuvre de la croix nous fait dire aujourd'hui que nous sommes aussi enfants de Dieu, les enfants du grand roi. Christ n'a pas regardé combien de péchés nous avons fait. Christ n'a pas regardé qui est coupable, qui est acquitté, qui est innocent. Non, il est mort pour tous. Aujourd'hui, nous pouvons nous appeler les oliviers sauvages qui ont été greffés au vrai olivier, pour qu'on nous appelle aussi les enfants de Père Abraham. Je te prie, mon frère, ma soeur, rachetons le temps, car le temps est mauvais. Les jours sont mauvais. Ça ne sert à rien de commencer à paniquer. Nous avons un grand Dieu. Si nous nous repentons de tout notre cœur, si nous nous humilions devant lui, si nous portons le sac et la cendre, sac du cœur, pas les sacs que nous voyons, les cœurs contrits, les cœurs qui reconnaissent ce qu'il a fait, nous allons demander la miséricorde, la compassion de Dieu, qu'il descende au Congo et qu'il enlève cet opprobre au-dessus de nos vies. Dans le livre de Genèse, chapitre 9, nous voyons comment la malédiction sur les enfants de Noé. Et nous sommes aussi des enfants de Noé quelque part. La Bible nous dit dans le verset 25, au lieu que Noé maudisse son propre fils Cham, il a préféré maudire les petits-fils, l'enfant de Cham qui s'appelle Canaan. Il dit, maudit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. C'est-à-dire, il n'est pas esclave de ses frères, mais des esclaves de ses frères. Plus bas que l'esclave qui est dans la maison de son frère. Tu es peut-être innocent.
Tu es peut-être, tu gémis partout où tu es. Reviens à Jésus-Christ. Et ton regard fixé sur lui. N'attends pas, oh, on m'a prophétisé, on m'a dit ceci. L'homme est limité. Même Samuel qui était prophète, le grand prophète, quand il est arrivé dans la maison d'Isaïe, le père de David, il a regardé les Oliab là, il les a regardés. Il dit non, certainement, le roi d'Israël, c'est celui-ci. Tous les six sont passés. Et Samuel a demandé à Isaïe, c'est tout ce que tu as comme un fils. Oh non, il y a un petit là qui est dans la brousse en train de paître les troupeaux. Il a dit, amenez-le-moi. Et quand David est arrivé, les petits hommes négligeables là, peut-être c'est toi, peut-être c'est moi, mais tu as dit prie devant l'Éternel. Dieu te connaît par ton nom. Ne sois pas ce que Dieu ne dit pas que tu sois. Sois ce que Dieu dit que tu es. C'est-à-dire, il ne faut pas refuser ton identité. Il ne faut pas refuser ce que tu es réellement. Accepte et visite Jésus. Donc, demande à Dieu de te visiter et tu verras ce qu'il va faire de toi. Je te prie de ne pas envier les autres. Toi qui amasses les biens dans ce monde, dans ce Congo, rentre en arrière. Tu as beaucoup de biens, mais il y a beaucoup de pauvres qui meurent de faim. Il y a beaucoup de pauvres qui meurent de faim. Cet argent-là va t'apporter quoi? Si tu enlèves seulement un peu, tu achètes même pour les orphelins. Hein? Tu vas même au camp Kokolo là-bas. Tu sais comment ils vivent. Tu amènes seulement un peu. Tu donnes aux enfants militaires. Dieu voit ça. Ne t'assois pas sur l'argent. Parce que l'argent ne te reconnaîtra pas le jour de ta mort. Et toi-même, tu ne reconnaîtras plus rien. Je demande à nos bien-aimés qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de biens. Mais quelle est ta vie par rapport à Christ? Quelle est ta vie par rapport à celui qui t'a créé? Que le Saint-Esprit qui a été donné le jour de Pentecôte te touche en ce moment. Te convaincre du péché, de la justice et du jugement. Que ce Saint-Esprit qui nous a ramassés tous dans la boue t'assiste, te donne l'assurance que cette parole qui sort aujourd'hui de ma bouche, c'est une parole de vie, c'est une parole de paix, ce n'est pas la parole de condamnation. C'est une parole de compassion, de la grâce de Dieu. Regarde ce que tu as. Il y a nos bien-aimés qui dorment dehors. Il y a nos bien-aimés qui n'ont rien à manger. Il y a nos bien-aimés qui sont en train de quémander. Nous voyons beaucoup d'aveugles sur la route ici, sur le boulevard. Mais si tu décidais seulement de prendre ne fût-ce que 50 ou 100 aveugles, tu leur donnes. Et nous venons, nous donnons la parole. Dieu peut ouvrir ses yeux. Nous aurons moins de mendiants et de veuves et des orphelins. Ils sont là. Ils ne savent pas quoi faire. Quand nous regardons même les enfants qu'on appelle les enfants de la rue, je peux rectifier pour dire, la rue n'a jamais mis au monde un enfant. Sont des enfants des hommes. Allez un peu au stade des martyrs. Vous verrez ce qui se passe. Des enfants qui ont fait plus de 20 ans en dessous des stades là. Ils font des enfants là-bas. Mais ce sont des forces tranquilles. Nous n'aurons pas la paix tant que nous ne résolvons pas tous ces problèmes. Accepte seulement de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si la parole que j'ai donnée t'a touché, je te demande de demander pardon à Dieu. Personne ne te condamne. Demande seulement pardon à Dieu. Et quand tu vas demander pardon à Dieu, tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ,
Je viens à toi tel que je suis. J'ai entendu ta parole. Ta parole est vérité. J'ai compris que j'étais loin de toi. Je reviens dans la maison de mon Père. J'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je renonce à Satan. Je renonce à toutes ses œuvres. Je renonce au coronavirus et à la mort. Je renonce à la malédiction de notre pays. Nous détruisons cette malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Que le règne de Dieu descende dans le Congo. Parce que le Congo a été dédié à Dieu par notre président. La première depuis l'indépendance, il a déclaré que le Congo, nous le dédions à Dieu. Quelque chose qu'on a dédié à Dieu, ça devient un domaine privé de Dieu. Nous sommes maintenant dans la maison de notre Dieu. Répentons-nous seulement parce que ce pays a été dédié à Dieu par le premier citoyen qui est le président de la République. Dieu ne fait exception de personne. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, revenez à Christ, revenez à Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu veut que tu te lèves, que nous soyons debout comme un seul homme pour prier, nous repentir, demander la miséricorde de Dieu pour que ce coronavirus se taise dans notre pays, afin qu'on sache qu'il y a un Dieu au Congo. Tu es très important, mon frère, ma soeur. Ne te minimise pas. Quels que soient les crimes que tu as faits, Dieu est là pour te pardonner. Si tu as fait cette prière, que Dieu te bénisse parce que tu es devenu enfant de Dieu. Cherche là où il y a une église. Quand on va lever la mesure, que tu ailles là-bas pour suivre les enseignements des baptêmes, pour que tu entres d'une manière officielle, parce que le baptême, c'est un témoignage public de l'entrée des membres dans l'église corps du Christ, dans la famille des enfants de Dieu. Je crois que chacun de nous doit se sentir responsable quelque part. Nous allons prier pour les malades, pour ceux qui sont atteints de ce coronavirus. Prions ensemble. Prions ensemble, mes bien-aimés. Toi qui ne pars plus au travail, ne crois pas que tu as congé. Non. Oh, on a fermé l'église. Oh, non, le président nous a demandé de prier. De prier. Toi et moi, nous devons prier. Observons le jeûne, mes bien-aimés. Plairons devant notre Dieu. Plairons. Et Dieu va descendre sa grâce. Qu'il déverse sa grâce sur nous. Qu'il déverse sa grâce sur nous. Dieu ne peut pas te condamner. Tu n'es pas condamnable. Reconnais seulement et il sera avec toi. Il est avec toi. Nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont troublés par la maladie, qui sont dans des camps d'isolement, dans des hôpitaux où on les isole. Prions. Crois seulement que Dieu est capable d'enlever ce virus là où tu es. Le Dieu qui m'a enlevé le cancer est le même. Le Dieu qui m'a enlevé la paralysie est le même. C'est ce Dieu-là que je te présente ce soir ou ce matin. Seigneur éternel, tu as envoyé la parole et la parole a guéri. Je te prie, Seigneur, parce que toi, tu m'as dit, ta main n'est pas courte pour arriver là où se trouvent mes frères et sœurs qui sont atteints de coronavirus. Que ce soit dans notre pays, que ce soit à travers le monde. Tu les connais et tu vois
comment ils gémissent, Seigneur. C'est dans tes maîtrisures que nos bien-aimés ont la guérison de toutes les maladies. Je te prie, Seigneur éternel, parce que toi, tu as dit, tu es celui qui guérit toutes les maladies. Tu es le guérisseur. Les médecins des médecins, toi qui connais l'origine de ce virus, nous te prions de toucher maintenant tous les malades et qu'ils soient guéris maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang, Seigneur, pénètre dans leur corps, leur âme et leur esprit et détruise le virus de coronavirus maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu es le même. Je sais que tu n'as pas changé. Je sais que tu n'as pas subi d'ombre de variation. Descends, Seigneur, et qu'il trouve la guérison. Que ceux qui sont déjà, qui se voient déjà dans la tombe, qu'ils sortent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ayez confiance en notre Dieu et vous verrez sa gloire. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié avec action de grâce. Je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. À nos bien-aimés de l'église de Siloé, pour délivrance et sanctification du temps de la fin, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes très important devant l'Éternel. Ne craignez rien. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Et lui écrasera les virus. Respectez les consignes. Respectez les mesures d'hygiène. Ne mangez pas n'importe comment. Lavez vos mains telles qu'on nous demande. Restez au même endroit, mais sans oublier Dieu. C'est vrai, nous sommes séparés, mais l'esprit est le même. Ne craignez rien. Qu'il tombe 1000 à côté, 10 000 à notre droite, nous sommes hors d'atteinte. Que ces anges campent autour de nous, campent autour de tous les membres de l'Église et nous évitent les dangers. Non seulement les membres de l'Église, même tous les Congolais, tous nos bien-aimés ou étrangers. Je ne veux pas être égoïste. Ne craignez rien. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit avec vous. N'oubliez pas le nom de Jésus-Christ. Christ nous a recommandé de sceller nos linteaux avec l'huile d'onction. Mettez ça sur vos portes. La parole est claire. C'est vraiment dans la foi. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Papa Mbi et moi, nous vous aimons. Nous sommes ensemble. Nous savons que nous allons bouter dehors ces virus meurtriers. Et nous allons témoigner sa fidélité et sa grandeur. Soyez bénis. Amen. Que ceux qui n'ont pas où prier, si le message vous a touché, je vous prie qu'après la levée de mesure, vous puissiez venir à Sosimat, dans le quartier Sosimat, sur l'avenue Gemena, numéro 1, dans l'église de Siloé, pour délivrance et sanctification du temps de la fin. Quand tu viendras là-bas, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui a tout créé. On t'apprendra la parole. Et la parole te permettra de parler de ta propre bouche. Et Dieu écoute toujours. Donc, nous n'avons pas de l'eau à vous donner, ni de sel, ni de l'huile. Nous avons la parole. La parole faite chair là. C'est Jésus-Christ lui-même. Nous vous prions de venir. Quand vous venez du côté de Chaoumba, vous dépassez l'avenue au commandement. Vous avancez un peu. Vous avez la toute première avenue à votre droite. Vous entrez à 200 mètres, nous sommes là. C'est l'église de Siloé. Si vous venez du côté de Kitambo, vous avancez, vous dépassez Hôtel Castello. La première rue après Hôtel Castello à votre gauche, vous entrez. C'est l'avenue de la Révolution à 150 ou 200 mètres.
Regardez à votre droite, c'est l'église de Siloé. Donc ce n'est pas un endroit où vous pouvez ne pas reconnaître. Nous sommes juste derrière la première zone de défense sur le haut commandement. Donc que Dieu vous bénisse et vous êtes vraiment très important. Nous vous aimons d'avance. Que Dieu vous garde et vous protège contre tous ces vents-là. Nous allons vaincre le coronavirus. Nous vous aimons. Amen. Siloé tonda nzambe na yo, tonda nzambe, tonda nzambe na yo, tonda. O Siloé tonda nzambe na yo, tonda nzambe, tonda nzambe na yo.